Je suis allé au Salon de la Planète et là j'ai rencontré David, le rédacteur en chef d'Altermonde, à un stand. Et voilà, il s'ennuyait, on a discuté. Et je me souviens, alors c'était en 2009, donc ça date un peu, mais je me souviens qu'il m'avait dit que la solidarité n'était pas automatique. J'ai pris son contact et quelques temps après, je me retrouvais à écrire un article pour Altermonde. Mais j'étais très content parce que je ne sortais pas d'une école de journalisme, j'ai un master scientifique d'écologie. Altermonde. Je pense qu'être citoyen, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc là, on parle beaucoup de démocratie, mais je pense qu'une démocratie sans citoyens, ça peut être dangereux. Du coup, former des citoyens à la fois en les faisant participer, comme moi j'ai pu faire, c'est-à-dire qu'en écrivant des articles, en rencontrant des gens, en voyageant, je me suis forgé, avec l'aide de David aussi, qui m'a aiguillé. Donc il m'a permis aussi de me forger en tant que citoyen. Et aux lecteurs, je pense aussi que ça leur permet d'avoir des éclairages différents. En ayant travaillé à Altermonde, en ayant moi-même exploré plusieurs milieux, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre ça et là. Et donc un autre monde est possible. Et je pense que si on fait attention, si on le construit avec attention, on peut avoir un autre monde qui soit meilleur. Ceux qui écrivent pour Altermonde se forgent eux-mêmes et ceux qui lisent Altermonde se forgent eux-mêmes. Donc voilà, il faut plus de citoyens et Altermonde contribue à faire des citoyens.